cantonal. Tout le monde le sait, le Bukut a une importance capitale. C'est vérifié par rapport à toutes les autorités qui sont là, quelle que soit sa situation sociale. Je veux, pour exemple, Guy Maurice, qui est là et qui doit se conformer au même rite que tous les petits-enfants qui vont aller au bois sacré. Donc cela, le Bukut revêt un capital, une importance capitale. Voilà. Et là, les préalables ont démarré depuis quelques jours. Aujourd'hui, nous avons vu justement des futurs initiés en train d'être rasés, une façon justement de leur montrer qu'ici vous avez le même ancêtre, mais quelle est l'importance ou quel est le sens justement de ce préalable? Voilà, vous avez remarqué tout à l'heure qu'il y a des futurs initiés qui sont en train d'être préparés. Bon, ce rituel devait être fait avant, mais il se trouve que c'est des jeunes qui sont hors du terroir du Bayot. Donc c'est des jeunes qui sont soit ailleurs en train de travailler et qui sont venus au dernier moment. On doit impérativement faire ce rituel. Et ce rituel coïncide justement au jour, parce que ce rituel n'a qu'un seul jour de la semaine Bayot qui compte 6 jours. Donc c'est ce rituel-là qu'on est en train de faire. Un rituel capital également, parce que sans ce rituel, on ne peut pas être initié. Et ça protège le futur initié? Oui, également ça protège le futur initié. On confie son sort aux ancêtres justement. Exactement, c'est cela. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait le trou, on a mis là-bas, tout ce qu'on a mis là-bas c'est pour protéger le futur initié. Et exactement, parce que on peut l'expliquer par le fait que nous sommes dans une zone en conflit. Il se trouve que le village, le quartier qui abrite le grand rituel est un village déplacé. Donc on ne peut pas faire ces rituels-là. Il fallait attendre que ce village soit retourné. C'est ce qui a fait qu'on est resté si longtemps. Oui, depuis le temps des temps, les futurs initiés pouvaient rester dans leur case pour 3 mois. Bon, aujourd'hui le contexte est autre. Tout le monde souhaiterait que ce soit un temps plus court, mais tout dépendra seulement des sages qui vont décider. Quelle est la particularité du Bukut de cette année par rapport à celui de 1976? Alors, nous avions le Bukut passé. On n'avait pas beaucoup de pression. Cette fois, on a une pression à cause du Covid. Vous vous souvenez que ce Bukut aurait lieu déjà l'année dernière, mais il n'a pas pu avoir à cause du Covid. Donc nous avons eu une pression et je veux même dire que tout le monde était stressé, parce que quand on a reparlé du Covid qui est là encore, alors on était beaucoup stressé parce qu'on se disait est-ce qu'il aura encore lieu. Mais avec les autorités qui ont appuyé, qui ont accepté que le Bukut soit ait lieu, en ce moment je remercie vraiment le sous-préfet qui a tout diligenté pour que le Bukut ait lieu. Méridional.